Et yo les Baptous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on part sur un petit jeu qui s'appelle Door. Et vous allez voir que c'est tout simplement un système de 4 portes à passer. Et vous allez voir que c'est un jeu qui fait extrêmement rager. Je vous en dis pas plus et il fait extrêmement réfléchir. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire où je me suis trompé et comment je me suis trompé et pourquoi je me suis trompé, ça m'intéresse énormément. Et ça, ce genre de petit jeu, on le fait généralement en live sur Twitch après le gros live Gmod. Donc je vous invite à checker. En tout cas les Baptous, un maximum de likes s'il vous plaît pour ce petit jeu qui m'a fait rager et que je kiffe vous présenter. J'adore vous faire des petits jeux comme ça qui font rager. Vous avez déjà fait avec Rage Poly et vous aviez kiffé, donc là j'espère que ça va être la même chose. En tout cas, comme d'habitude, un maximum de likes, je vous kiffe et Baptous, c'est parti, let's go. Ok. Alors, exit at the door number 2. Donc faut qu'on aille dans la porte numéro 2. Ah, ça a marché les gars. Ok. Exit at the door number 4. 1, 2, 3, 4. Normalement c'est la D, non? C'est la D, non? D, 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 ok. Let's go. Ok. Exit at the door number 3. Oh les bâtards. At the door number 3. Ok. Je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là. 1, 2. Attendez, à la 3. Si le 1 il est là, ça fait comme ça. 1, 2, 3. Donc normalement c'est celle-là. 3, donc c'est celle-là. Ok. Ok. C'est bon les gars. Eh les gars, j'ai pas envie de recommencer hein. Ok. Exit at the door number 3. Les bâtards. Exit at the door number 3. Alors moi je me dis, si on doit exit à la chambre 3, à la nombre 3, là c'est un truc qui a 1, 2, 3, 4, 4, 5 côtés. Ça c'est à 4 côtés. Ça c'est à 3 côtés. Et ça c'est à 0 côtés. Donc pour moi on doit aller dans celle là non? Triangle, 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 triangle. Ok ok, triangle, ok. Ouais let's go, vous êtes trop intelligent. Ok. Exit at the door number 3. Là c'est des petits fantômes. Des fantômes. La dernière. C'est la dernière à droite. Vous êtes sûr que c'est celle-là? Ok, on va voir. Let's go, c'est celle-là. Pour exit at the door number error. Le nombre erreur. C'est quoi un nombre erreur? Le 4 c'est le nombre erreur, non? Je pense 4 c'est un nombre erreur, non? 404 dont le 4. Ouais, bah ouais, j'aurais dit ça aussi, le 4. Ok, on tente le 4, ok. Mais non, merci pour des 300 vides, mon frérot. Let's go, ça passe. Eh, hey, mais vous êtes trop intelligent, en fait. Ça se passe comment? Alors, exit at the door number 2. Bah, y'a qu'un 2, donc on doit aller dans la 2, non? Je pense la 2, là, non? On prend la 2, là, non, les gars? Ouais, bah, la 2, c'est... Ok. Ouais, c'était la 2, les gars. C'était vraiment anti-psychologique. Ok. Exit at the door number 4. Oh, les bâtards. Les gars, je fais comment, là? Bah, la 4. Et comment je la prends? Je peux même pas prendre la pioche en fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, vous êtes des génies. Vous êtes des génies les gars. C'était le nombre de plantes. Oh, oh non, c'était pas bon les gars. C'était pas bon les gars. En fait, ça change à chaque fois les gars. Je vais péter un câble. En fait, les énigmes, elles rechangent à chaque fois en fait. C'est des gros bâtards. Si t'as ce door number 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et si t'as ce door number 3. Alors faut qu'il y ait 3. Donc c'est bien triangle là. Hein. 3 c'est triangle là. Ok. Exit at the door number 4. La 3, la 3. Ok. 1, 2, 3. Donc celle-là. Et les gars, j'ai eu tellement peur. Exit at the door number error. Donc pour moi, le nombre error c'est le 4. Donc error 404. Exit at the door number 4. Alors si le 2 est là, 3, 4, c'est ici. On est d'accord. Pour moi, on est d'accord. Pour moi, on est d'accord, c'est bien ici. A few moments later. Exit at the door number 4. Là on a des trucs, mais je sais pas ce que ça peut nous dire. Et là il y a un bâton, tu vois. Toujours à notre salle là. Go à la 2, bah go à la 2. Mais non, parce que si la 4 c'était pas la 2, la 2 ne peut pas être la 4. Go confiance en nous la 2. Ok. Les gars c'est passé. Les gars c'est passé. Let's go. Ok, on enchaîne. La nombre 2. Il y a des cailloux, il y a une plantation. Ils disent la 2. Les cailloux, deux cailloux à gauche. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez en fait? Comment ça les cailloux? La 1. 2, 1, 3, 4. Ah ouais. 2, 1, 3, 4. Vous êtes des génies.
2, 1, 3, 4, exact, le nombre de cailloux par terre, j'avoue. Let's go, vous êtes vraiment des beaux gosses. Exit at the door, number error. Ah non, ok, donc je suis arrivé d'ici. Faut que je suive le film, je pense. Ici, ici, ici. Pour moi, ça serait celle-là. Pour moi, ça serait celle-là. Pour moi, c'est la 2, hein. Ok, on est d'accord. Let's go. Progresse 1 sur 6 niveaux, tu voyais, c'est ça en fait. Alors, exit at the door with the color Y. Color Y, yellow, ok. Ok, c'est ça les gars. Exit at the door with color 4. With color 4. Ça veut rien dire with color 4. Expliquez-moi pourquoi la 4 en fait. Je veux vous m'expliquer en fait. Je veux pas juste être bête et discipliné, vous écouter. Je veux savoir pourquoi. La couleur du numéro 4 était jaune. Au début c'est yellow car c'était la 4. Écoutez. Ok, c'est bon, le GG les gars, vous êtes vraiment beau. Ok, je viens de comprendre. Je préfère comprendre en fait, je veux vous m'expliquer, tu vois. Genre, je veux pas être bête et discipliné comme certains streamers qui vous suivent et qui du coup finissent ce genre de secondes et comprennent rien. Moi, je veux comprendre pourquoi, tu vois. Exit at the door with the color G. Alors, G, ça pourrait correspondre à quoi comme color? À 2, parce que RGB égale 1, 2, 3. Merci, convict. Ça, c'est des vraies explications. Ok, là, c'est green. Ok, GG, vous êtes vraiment beau. Hein. Ok, on enchaîne. Exit at the door with color 4. With color 4. Merde, RGB c'est 1, 2, 3, fuck, on fait comment? Ah là, il y a des trucs, attendez. With the color 4. Ah, le nombre de jetons, ah ouais, 4. 1, 2, 3, 4, 5, et il y a 4 bleus, exactement, vous êtes vraiment beau. Normalement c'est bleu. Let's go. Vous êtes trop forts les mecs qui ont dit bleu. Vous réfléchissez mieux que moi en fait. Exit at the door with the color error. C'est quoi une color? D'or, c'est rouge. Le door il est en rouge. Est-ce que ça serait la rouge du coup? Une erreur, c'est rouge non? Ah j'ai pas, je sais pas, on en a fait tellement les gars là, ça me ferait chier de me tromper. Exit at the door. Et c'est à dire sortez à la porte qui a la couleur erreur. Et là la couleur erreur elle est rouge. Donc pour moi c'est rouge. Ouh, c'est bon c'est ça les gars. Ok. Oula. Exit at the door with the color B. Exit at the color at the door with the color B. RGB, c'est quoi B? C'est quoi le RG? Dans RGB, c'est quoi le B? Bleu, bleu. Ok. Ah oui, bleu. Jaune, ça fait du bleu. Bleu plus jaune, ça fait du bleu. Donc moi, je dirais la 3 aussi. Là, ça fait du violet. Là, ça fait du violet. Là, ça fait du vert. Et là, ça fait du jaune, en fait. Pour moi, celle-là, elle donne du bleu, là, ici. C'est bon, c'est celle-là, les gars. Let's go. At the door with the color G. RGB, c'est quoi avec G? C'est green, c'est vert. Et là, on peut voir qu'il réagit à la lumière rouge. Rouge plus... Rouge plus vert, ça fait quelle couleur? La green, pour moi, c'est celle-là, mais... Je suis pas sûr, du coup, je vois celle-là aussi qui passe en vert, là. Enfin, je sais pas. Porte 2, car RGB, c'est bleu, et bleu plus jaune, c'est vert. C'est la 2 qui réagit vert. Ouais, pour moi, c'est la 2 qui réagit plus. Ok, c'est bon, c'est ça, là, les gars. Let's go, GG. Eh, les gars, on va trop loin, là. Let's go. Wow. Exit at the color with color G. Donc, vert. What? Il n'y en a aucune qui a la couleur G, en fait. R égale rouge, red, G égale green, vert, B égale bleu, bleu. Ouais, mais là, du coup, on fait comment? Ah, si on mélange les trois couleurs, ça fait du vert, je sais pas. Les couleurs par les lettres, non? Bah ouais, mais... RGB, la 2. Ça part sur un petit Alt F4 les frérots, on fera ça la prochaine fois, ok.